Moi, c'est Jean-Christophe, le guitariste rythmique. Et ton âge? Dis ton âge. 32 ans. Moi, c'est Arnaud, je suis un des deux guitaristes et j'ai 20 ans, je débute, moi, l'avenir m'appartient. Moi, c'est Cookie, je suis un des deux chanteurs, j'ai 31 ans. Bah, c'est Peb, à la basse. Voilà, 28 ans, depuis peu. Je crois. Je crois, ouais. Batteur, 24 ans, et voilà. Moi, c'est Gauthier, j'ai 32 ans, et je vends des jouets. Mais tu fais quoi dans le groupe? Moi, je suis le deuxième chanteur. Ah, c'est moi le premier. Et je casse les couilles des autres aussi. Salut, c'est Tokyo Tycoon, bienvenue dans notre local de répète, très heureux de vous accueillir. On existe depuis 2003, mais la formation actuelle existe depuis 2006. Ouais, en fait, il s'agit d'une fusion entre deux groupes, donc Spoil d'un côté, Tokyo Tycoon, on va dire ancienne mouture de l'autre. Bon, les influences du groupe, elles sont vraiment très nombreuses. Donc, c'est essentiellement rock, mais bon, il y a des personnes dans le groupe qui écoutent du blues, de l'électro. Toi et moi, on est assez bien métal. Ouais. C'est difficile de... Je crois justement, c'est ça qui donne l'originalité de notre musique, c'est qu'on a réussi à condenser tout ça, à rendre tout ça homogène. Enfin, un rock au sens large, une espèce de rock hybride, comme ça, où tout le monde y trouve son compte, ce qui est bien. Je veux dire qu'il y a quand même une scène qui nous rapproche tous, c'est la scène de Seattle des années 90. Des années 90, du début des 90, hein, avec tout ce qui est Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, enfin on s'y retrouve tous là-dedans. Le 25 juillet, nous serons à Louvigné. À Louvigné, au Festifou. Au Festifou, un concours encore. Donc on a gagné il y a deux mois le Festival des Fous. Donc c'est dans la lignée en fait, oui, parce qu'il y a deux mois on a gagné le Festival des Fous qui était là à Chimay. Là on fait un festival à Louvigné, donc visiblement on a une drôle d'étiquette. On a une drôle d'étiquette de sauvage fou sur scène. On se voit mal rester sur place derrière un pied de micro, à pas trop bouger, à rien partager avec les gens. Je pense qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui se déplace à tes concerts, la moindre des choses, c'est que tu donnes un maximum pour ces gens-là, qu'ils soient 30, 100 ou 400. Ou 400, on a joué devant 400 personnes, c'est un souvenir mémorable, la SFX, c'était fabuleux. Plus d'informations sur le groupe, vous pourrez en trouver sur cette adresse du groupe que Gauthier vient de nous montrer à l'instant. Refais le signe du doigt. À très bientôt sur scène. Venez nous voir, c'est un conseil.